Oui, eh bien, il est parti, il est parti. À vrai dire, je devrais vous faire de suite la lecture d'une bonne portion du manuscrit, malheureusement plus à disposition, qui relate tous les avantages d'un hélicoptère Alouette 3. Mais laissons cela et saisissons plutôt cette occasion pour vous décrire à l'aide de quelques chiffres les performances annuelles des 20 hélicoptères Alouette 3 seulement dont disposent les troupes d'aviation aujourd'hui. Au cours d'une année, par exemple, 45 sauvetages ont été effectués avec ces appareils. Cela signifie que plus de 40 personnes ont été libérées d'une manière ou d'une autre d'un danger immédiat. Ces sauvetages ont nécessité pas moins de 90 heures de vol. À eux seuls, ces chiffres justifieraient la décision du Parlement d'acheter encore 60 machines de ce type. De nos jours, l'hélicoptère n'est pas seulement un moyen moderne de sauvetage. Ses qualités de vol permettent à la troupe de l'utiliser pour une quantité d'autres buts. Dans son rôle de transporteur de troupes de combat, l'Alouette 3, qui ne peut prendre en charge que 6 hommes, ne représente pas encore la solution idéale, évidemment. Le prochain pas à faire dans l'extension systématique de nos escadrilles d'aviation légère est sans doute l'acquisition d'un grand hélicoptère pouvant emporter des groupes équivalents à la force d'une section. Malgré tout, cet achat nous a rapprochés considérablement du but consistant à donner plus de mobilité à notre troupe, car ces appareils se prêtent extrêmement bien à des missions de reconnaissance et de commandement. Leurs performances sont considérables en tant que porteurs mobiles de matériaux. Une charge d'environ 900 kg est transportée en une seule fois jusqu'aux cabanes les plus élevées. C'est ainsi qu'en une année, avec 20 machines seulement, on a effectué plus de 100 heures de vol pour ravitailler les stations de montagne des clubs alpins suisses en matériel. Au total, plus de 120 tonnes, une performance vraiment imposante de notre armée de l'air dans le secteur civil. Dans ces conditions, la motion présentée au Parlement pour l'achat de 60 appareils supplémentaires de ce type n'a rencontré aucun obstacle. En vue de stimuler l'industrie aéronautique autonome, on a décidé, sur une recommandation du groupement de l'armement, de fabriquer ces 60 hélicoptères sous licence en Suisse. C'est ainsi que la Fabrique fédérale d'avions à Emmen, en tant qu'entreprise de régie de la Confédération, a pu engager 9 fournisseurs principaux de l'industrie aéronautique et plus de 200 firmes chargées de commandes isolées. Les firmes suisses contractantes se sont mises assidûment au travail, car elles voulaient prouver qu'une fabrication sous licence en Suisse ne présentait aucune difficulté. Nous visitons précisément l'un des 9 fournisseurs principaux qui fabrique des éléments pour le montage final. Plus de 30 parties de l'hélicoptère sont réalisées en matière synthétique, renforcées de fibres de verre. Vous voyez ici les revêtements et les portes de la cabine. Les couches de fibres de verre sont tendues l'une après l'autre sur la forme, reliées entre elles par de la colle pour matière synthétique, puis comprimées ensemble dans l'empreinte après l'élimination des restes. Notre industrie est absolument en mesure de façonner du matériel moderne de haute qualité, même si certaines opérations, voire l'outillage, nous rappellent ici ou là le bon vieux temps. Le
le produit final peut en tout cas rivaliser avec les meilleurs. Un autre fournisseur produit les glaces en plexiglas pour la cabine. Dans un tunnel à rayons infrarouges, la forme est portée à la température exigée à l'aide d'un brûleur. La plaque de verre, également préchauffée dans le four, n'a plus qu'à subir l'opération d'étirage sur l'empreinte. Une fois la glace solidifiée, elle est contrôlée minutieusement quant à un éventuel voilage, lequel provoquerait des effets de réflexion. Ensuite seulement, le matériel excédentaire peut être éloigné et la glace reçoit sa forme définitive pour le montage. En vue du transport et du montage, ce matériel est revêtu encore d'un vernis de protection. Dans le secteur de la mécanique, la fabrication sous licence a fourni aussi une belle somme de travail aux 200 entreprises privées. Les travaux de fraisage, perçage, soudage et rivetage ont duré près de 2 ans. La totalité du matériel parvient ensuite, principalement par voie ferrée, au centre névralgique de la fabrication sous licence, c'est-à-dire à la Fabrique fédérale d'avions, à Emmen. Ici, la chaîne de production du montage final fonctionne déjà. Pour raison de délai, quelques ensembles ont dû être commandés directement chez le donneur de licence en France. C'est le cas pour le moyeu rotor principal. La décision en faveur d'une fabrication sous licence ayant pris notre industrie un peu au dépourvu, il n'était plus possible, dans le court laps de temps disponible, de mettre à disposition les machines spéciales extrêmement coûteuses pour la fabrication de certains éléments. En outre, on ne voulait en aucun cas dépasser le budget d'environ 90 millions de francs affectés aux hélicoptères et aux pièces de rechange nécessaires. À ce jour, on peut constater avec satisfaction que ces frais ont été maintenus dans les normes prévues. À l'encontre de quelques voix pessimistes, la fabrication sous licence fait ses preuves. Les pales du rotor appartiennent, elles aussi, à la catégorie des éléments importés. Ici, il est de règle de déballer avec toutes les précautions nécessaires les caisses provenant de France, car les pales aux arêtes tranchantes comme des lames de couteau exigent une manutention des plus minutieuses. En effet, les 3 éléments porteurs principaux de l'hélicoptère sont toujours marqués des mêmes repères, car ils ont été soumis à un ajustage de précision. Ici, quelque chose semble-t-il s'est passé en dehors du plan prévu. Ou alors, les copeaux de bois de France sont trop tendres pour l'heure du casse-croûte dans l'usine. Oui, rien en définitif qui puisse émouvoir les spécialistes de la Fabrique fédérale d'avions. Ils sont en effet déjà occupés à fixer sur le rotor les éléments d'attache des pales. Le montage marche à plein rendement, car il faut qu'en automne 1973, la dernière des 60 machines soit livrée. Le soudage de la structure centrale se poursuit parallèlement dans un autre département de l'usine pour ne pas encombrer la halle de montage.
Évidemment, la présence de cet importun n'était à vrai dire pas prévue dans le programme. Mais enfin, qu'importe, qui cherche trouve. Plus de 700 spécialistes, ouvriers et employés, représentant plus de 30 professions, sont occupés aujourd'hui à la fabrique fédérale d'avions. La fabrication sous licence des hélicoptères fournit du travail pour presque 2 ans à une partie de ce personnel. Le montage de la poutre de queue démontre bien avec quelle précision et quelle rapidité l'équipe Demon travaille. Après quelques minutes seulement, les boulons peuvent être placés. Et déjà, on s'occupe du prochain élément de montage, le réacteur. La turbine Artust de 550 chevaux est le troisième élément importé de France. On procède ici uniquement à son contrôle et au montage. Faisons cependant circuler un peu la caméra et vous pourrez vous-même vous faire une idée des performances réalisées par cette entreprise et ses employés. Sortant de la chaîne de montage, où il a reçu sa forme brute, l'hélicoptère est soumis à une nouvelle inspection comparable en tout point à un examen médical. Il n'y manque même pas le miroir du dentiste. Ici, un seul leitmotiv, la sécurité. Ah ah, peut-être en chemin vers la liberté? Mais quelle direction prendre? La France se rapproche-t-elle? Notre alouette aussi échappe momentanément aux yeux d'Argus des contrôleurs, car son aspect extérieur va être soumis à une transformation. Dans ce cas, la peinture n'est pas faite seulement pour l'œil, mais sert avant tout au camouflage. De plus, malgré une construction où dominent les matières synthétiques et les alliages légers, quelques pièces sensibles à la corrosion nécessitent une protection. Ici, on tient à démontrer d'une façon impressionnante que les hélicoptères sont nés d'une fabrication sous licence. Aussi, chaque coup de pinceau doit produire son effet. La main ne s'arrête guère, tout au plus pour indiquer le chemin du retour à un importun. Diable, on a l'air de ne pas être d'accord sur la route en direction de la France. Bon, le troisième de l'équipe la connaît sûrement. Un tel montage en Suisse,
signifie un contrôle permanent de soi-même au profit du produit final. Même si la pluie devait prouver l'étanchéité du châssis, ce dernier est quand même soumis auparavant à un arrosage copieux sous haute pression, car la cabine et les équipements doivent rester secs aussi lors des vols à une vitesse de plus de 200 km à l'heure. Pour le montage final, un hélicoptère passe par plus de 20 contrôles et tests différents. Jusqu'à ce stade du montage, aucun défaut technique n'a été décelé sur l'appareil, de sorte qu'on peut procéder au montage des pales du rotor principal. Cette opération réclame une attention extrême, car contrairement à une opinion très répandue, ce mécanisme permet justement d'empêcher la chute de l'hélicoptère. En cas de déficience de la turbine, le pilote peut passer à ce qu'on appelle l'autorotation, c'est-à-dire qu'il coupe la liaison turbine-rotor. Il amène ensuite les pales dans une position négative, de sorte que, lors d'une chute, l'écoulement d'air actionne les pales. À une certaine distance du sol, il redonne aux pales leur position ascensionnelle et l'appareil peut ainsi être stabilisé. Ceci explique l'attention spéciale vouée à la position des pales, aussi bien au montage que lors du premier test de fonctionnement. Ce que vous allez voir maintenant n'est pas une fantaisie de pilote exubérant pour son plaisir personnel, mais un travail minutieux. Un pilote d'essai du groupement de l'armement soumet un hélicoptère, dans le cadre des limites autorisées, aux épreuves les plus sévères. Il soumet l'appareil à des pressions qui ne se produisent jamais lors des missions normales de la troupe. Tout cela pour obtenir la certitude absolue de livrer aux troupes d'aviation un produit sans défaut. Au cours du programme complet de tests, qui comprend aussi un vol d'altitude et un atterrissage dans la région de la Jungfrau, on effectue pas moins de 30 mouvements divers. Pendant ce programme, le pilote contrôle séparément 53 positions différentes. Si par hasard des défauts apparaissent lors de ce vol de contrôle, ils sont enregistrés exactement par le pilote d'essai et les ateliers font aussitôt le nécessaire pour les éliminer. Grâce à cette collaboration entre le pilote affecté à l'usine et le fabricant, des améliorations notables ont pu être apportées au cours de la fabrication suisse sous licence des hélicoptères. Les 70 apprentis de la fabrique fédérale d'avions à Emmen ont démontré eux aussi leur intérêt pour la fabrication sous licence. Dans leur atelier particulier, ils avaient organisé leur propre chaîne de montage en miniature. On attendait plus de 200 autres officiels à Emmen pour le jour historique de la remise à la troupe du premier hélicoptère de fabrication suisse portant le numéro d'immatriculation V225. Par un travail de précision accompli dans leur temps de loisir, les apprentis ont permis que chaque invité puisse emporter un modèle de cet appareil. 23 mars 1972. Au nom de la fabrique fédérale d'avions, le pilote d'essai annonce le V-225, premier des 60 hélicoptères prêts à être livrés à l'armée.
L'appareil est remis par le groupement de l'armement au commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions. Tout est bien qui finit bien. Le proverbe semble se réaliser ici, car cette fois-ci, le chemin du retour lui est indiqué clairement. À l'occasion du vol usine-base de stationnement, la preuve est faite que les pilotes de la troupe ont aussi du sentiment. On tient finalement aussi à s'assurer personnellement, même si c'est dans la solitude de haute montagne, que la marque produit suisse est bien justifiée. Le résultat semble donner satisfaction. Ça alors, pas possible! Vous voulez aller à Toulouse? Mais je vous en prie, monsieur. Cette fois-ci, il a l'air de vraiment bien se porter. Et l'administration fédérale, sans cela bien formée à l'économie, semble tenir exceptionnellement le rôle de parrain généreux. Espérons que le pilote ne restera pas en France, par crainte d'une punition disciplinaire, car les troupes d'aviation doivent recevoir non pas 59, mais bien 60 hélicoptères Alouette 3.